quand on est compétiteur, on fait, moi je faisais minimum 5 heures de danse par jour. Un regard de braise, un déhanché à faire pâlir d'envie, l'invité du week-end est un charmant danseur français. Né il y a 24 ans à Avignon, c'est à l'âge de 18 ans qu'il se trouve une passion pour la danse. Aujourd'hui, il est spécialisé dans les danses latines comme le cha-cha, la samba ou encore le jive, et on l'a découvert il y a 2 ans dans l'émission Danse avec les stars. Notre invité est Anthony Colette. Quand on est compétiteur, moi je faisais minimum 5 heures de danse par jour. Et pendant Danse avec les stars, c'est à peu près pareil. Et maintenant, c'est un petit peu plus calme parce que j'ai d'autres projets. Pour aimer, la rumba, sans hésiter. C'est de jamais lâcher, de croire en ce que tu veux et de foncer. Foncer et foncer. Je pense que c'est la samba, parce que c'est hyper technique. Pour moi, ça va être le malheur est un pont vers le bonheur, à chaque fois. La danse la plus épuisante, ça va être le jive, forcément. Le 06, 35, tadin, voilà. Moi j'adore le passo doble, parce que c'est une danse de caractère et j'adore. Il n'y en a pas, hein. Elles sont toutes géniales, toutes bien. La valse ? Non, c'est génial la valse, j'adore la valse. On va faire classique, on va dire Dirty Dancing. C'est très connu Dirty Dancing. J'aime tout moi comme chanson, mais genre les trucs le matin, l'été surtout quand tu mets des musiques genre Despacito, les trucs comme ça, là j'adore. Ça, j'adore. Leonardo DiCaprio. Ouais, j'adore Leonardo DiCaprio. Je suis le maître du monde ! Wouhou ! Rhône FM. Rhône FM. Rythme la vie.